Breaker. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Je déclare l'audience ouverte. Today the chamber continues here testimony of La chambre va aujourd'hui continuer d'entendre And after that we begin hearing testimony Ensuite, of a civil party to TCCP 1063 partie civile. And before we proceed, the chamber wishes to inform all parties to the proceedings in case 002/02 that today Judge Yu Ohtara has some urgent personal matters and cannot attend the proceedings. And after the bench deliberation, Judge Tumuni, who is a reserve national judge, Juge is replacing Judge Yodra at this time that Judge Yodra is able to return to the bench. De revenir. And that is based on Rule 79.4 of the ECCC Internal Rules. 79.4 du règlement intérieur. Mr. M. Hoy, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Greffier, Mr. President, Greffier, for today's proceedings, all parties to this case are present. Mr. Nunchia is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. De the civil party who is to conclude her testimony today, that is, Madame Kirnip, is present in the courtroom. Se tient dans le we also have a reserve civil party, namely to TCCP 1063. Thank you. Merci. President, thank you. Je vous remercie. The chamber now decides on the request by Nunchia. The chamber has received la a waiver from Nunchia dated 30 November 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to be present at the 30 November 2016 hearing. Having seen the medical report of Nunchia by the duty doctor for the accused at the ECCC dated 30 November 2016, which notes that today Nunchia has a constant lower back pain when he sits for long and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC Internal Rules, the chamber grants Nunchia his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The chairman instructs the AV unit personnel to lead the proceedings to the room downstairs so that Nunchia can follow. That applies for the whole day. And the chamber wishes now to issue an oral ruling on the admission of civil party application of 2 TCCP 1063 as evidence. The trial chamber notes that the civil party application of 2 TCCP 1063 is currently classified under the document reference number D22/194. The chamber has recently admitted the civil party's supplementary information as document D3/1067. Please CE 436/1. Le document E436/1. Another supplementary information for this civil party was previously admitted as E3/59/3-A.
In line with the Chamber's practice concerning the admission of material relevant to individuals appearing at trial, the Chamber now accordingly admits through TCCP's 1063 civil party application and assigns a document reference number E3/10670A to it. I'd like to have the floor to the co-prosecutors to put questions to this civil party. Vous pouvez interroger la partie civile. Merci, bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Good morning, Mr. President, bonjour Your Honors. À toutes les parties. Good morning to all the parties. Bonjour Madame la partie civile, mon nom est Vincent De Wilde et je vais vous poser des questions ce matin au nom des co-procureurs. Alors je sais qu'il n'est pas facile de se remémorer tous ces événements il y a longtemps. Je vais simplement vous demander d'être très précise dans vos réponses et si vous ne connaissez pas les réponses à une question, la réponse à une question, dites simplement que vous ne savez pas. Si vous ne comprenez pas une question, demandez-moi de répéter, il n'y a pas de problème. Alors une première question concernant des membres de votre famille. Est-ce que un ou plusieurs membres de votre famille étaient des officiers ou des soldats de l'ONOL, donc de la République Khmer, ou bien des fonctionnaires de l'ONOL entre 1970 et 1975? Yeah, Kram Krosan and Khyam, during the LONOL war time, pendant la période de la guerre de l'ONOL, j'avais un oncle Came to Kampong Chenang province and he had disappeared since. Et il a disparu depuis. As for my direct family members, quant including the members de ma famille, of on my husband's side, du côté de mon mari, did not participate or become any soldier in the army. However, some of them became soldiers for the Khmer Rouge. Sont devenus soldats pour les Khmer Rouges. Pourriez-vous nous donner le nom de cet oncle qui Could a you give disparu? Us the name of this uncle who disappeared? My uncle's name is Chun Cheung. Pouvez-vous nous dire Can you tell us when he disappeared? En 75, pouvez-vous nous dire quand il a disparu? Est-ce que c'était avant le 17 avril 75 ou après le 17 avril 75 quand Phnom Penh a été prise par les révolutionnaires? When the revolutionaries took control of Phnom Penh. My uncle disappeared after 1975. Mon oncle a disparu après 1975. Et qu'avez-vous appris sur les circonstances de sa disparition? And what did you learn about the circumstances of his disappearance? Qui vous en a parlé? Qu'avez-vous appris? Who told you about it and what did you learn? My uncle disappeared. Mon oncle. I received this information from someone who was in the same native, who lived in the same native village after le he left Kampong Chenang. Après son départ, there was an appeal there for people who had previous employment. Les personnes qui par le passé occupaient certaines fonctions devaient revenir by presenting themselves, and my uncle fell through the trick. He presented himself and he disappeared. Mon oncle est tombé dans le piège. Another il s'est présenté, il a disparu. Named Ro did not do so, and ne l'a pas fait. Accordingly, the person could return to the et native village.
However, after 1975, they conducted the research and found out that he used to be a former Lunar soldier, and subsequently he also disappeared. Merci. Alors hier, vous avez parlé du fait que vous avez rejoint votre mari vers le Nouvel An Khmer 1978 à Phnom Penh, près du marché central. Et vous aviez été cuisinière. À ce moment-là, est-ce que vous apparteniez à la même unité que votre mari, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, l'unité d'approvisionnement du marché d'État? In 1978, my husband brought me from my home in order to join the celebration of the New Year that year. Pour fêter and la when I arrived, I was assigned to be a cook. They a cook for those who lived in the same house. Donc pour ceux qui vivaient dans la même maison. Et après cela, est-ce que vous avez continué à cuisiner jusqu'à la disparition de votre mari? Until your husband disappeared. However, on je suis restée cuisinière toutefois le jour où mon mari a disparu. I myself was taken from where I lived, Même si nous avons été menés à des moments différents le même jour. Cette unité des cuisinières, est-ce qu'elle dépendait également de ce que vous avez appelé le ministère 870? Was it also under what you called Ministry 870? C'était connu à l'époque sous le nom de ministère 870. Hier, en répondant aux questions de Maître Marie Guiraud, vous avez précisé que votre mari n'était pas un cadre, that your husband mais was not un a country, simple ouvrier ou manutentionnaire. Worker, je voudrais juste être certain que tout a été précisé parce que est mentionné dans votre formulaire d'information sur la victime E3-6425, ce qui suit, et c'est aux pages en français 0-1-1-5-2-6-9-2, en anglais 0-1-1-1-4-1-5-3, et en khmer 0-0-5-4-4-1-6-8. Voilà ce qui est marqué dans le formulaire. Dans le courant de l'année 1978, après l'arrestation en masse des cadres du niveau de chef d'unité, de bureau et de département, mon mari a été promu à titre de cadre à un poste au sein du bureau 870. And a post within Office 870. Voilà, donc je vous repose cette question. So I'm going to ask est-ce you qu'il y a again, eu un événement 78 qui a fait que votre mari aurait changé de statut et serait passé de celui de simple manutentionnaire à celui de cadre? From a laborer porter to one who is a cadre. My husband was chief of a battalion. I made that statement when he was a soldier. However, after the liberation in 1975, when he came to work at the state market, he was simply a worker, and his task was to gather supplies to store in the warehouse. À garder les vivres qui étaient stockés dans l'entrepôt. Maître Copper, vous avez la parole.
Yes, thank you, Mr. President. Oui, not sure whether it's ici. An objection or observation. It's too late for an objection anyway. C'est une objection. De toute façon, il est trop tard pour une objection. I'm not quite sure what the prosecution means with the word cadre. Qu'est-ce que l'accusation entend par cadre? Je ne suis pas certain de comprendre. Est-ce que ça veut dire membre du PCK ou est-ce que ça veut dire autre chose? I don't think there's any definition as to what cadre. Il ne me semble pas qu'il existe de définition du mot cadre. Je pense que la question qui a été posée Madame la partie civile y a répondu. Je ne pense pas asked, qu'il soit nécessaire de rentrer dans ce débat, mais bien entendu, je crois qu'on peut être cadre et certaines fonctions de responsabilité sans être membre du PCK. Without actually being a member of the CPK. Donc, j'en conclus, Madame la partie civile, qu'il y a eu une erreur dans le formulaire d'information Party, sur I la victime, then that there was an error in document E3/6425, donc que votre mari n'est pas devenu cadre. Pour autant, est-ce que vous savez qui étaient les chefs du bureau d'approvisionnement de l'État, who was in charge of the state bureau d'approvisionnement du marché d'État? The State Market Supply Office, cette antenne du bureau 870. Est-ce que vous savez qui étaient les chefs directs de votre mari? Do you know who was the direct supervisor of your husband? In 1978, when I arrived, I knew Vui and Pin, who were the supervisors in that location. That's all I know. Donc, au-dessus de Vui et Pin, vous ne savez pas qui dirigeait l'ensemble de ce bureau. Who managed this office overall, if I've understood correctly? Yes, I didn't know about c'est that. C'est exact, je n'en savais rien. Je vais revenir tout à l'heure sur ce qui est arrivé à vous. I'll come back a bit later to what happened to Bui. Hier, vous nous avez dit avoir vu Kyusampan yesterday, you told distribuer us that you de la nourriture had seen et des vivres distributing aux gens provenant de Preveng, de la zone people est. Who had come from Preveng est-ce que in the East Zone. Vous aviez déjà entendu parler de Kyusampan avant de le voir, et avant que votre mari vous dise que c'était lui? And before your husband said that it was him. One day, when people were evacuated from Preveng province, we were ordered to cook for them. On nous a demandé de cuisiner pour eux. And then they had supplies, materials, including clothing and scarves. These materials or supplies were distributed to them. Et des vêtements qui leur ont and été distribués. During the course, I saw Kyusampan. Initially, I did not know him, but début, I asked my husband, and my husband said that he was Anka, and he was known as Da Kyusampan. That's all I know about that. Voilà comment je suis. À part lui, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de noms d'autres grands responsables du Parti communiste du Kampuchea? Of high-level authorities and leaders in the Democratic Kampuchea regime? Before that, I had only heard of Anka, but I did not know who the leaders were, that is, Marcelo Anka. À proximité du marché central, est-ce que vous savez s'il y avait market, un bureau you know, qui s'appelait le bureau du commerce extérieur? Office, which was the foreign commerce office? No, I was not aware of that. Non, je n'étais pas au courant. Donc j'en viens alors à cet incident, so we'll come back vous avez then to vu, this incident that ce you saw, moment où vous avez vu Kyusampan distribuer des écharpes et de la nourriture aux gens de Preveng. De quelle couleur étaient les écharpes ou les kramas qui étaient distribués krama par Kyusampan? The scarves that were being distributed by Kyusampan, what color were they? Kroma that he
handed to the people there at the central market qu'il donnait là-bas aux gens au marché blue central and white était in bleu color. Et blanc. Est-ce que ces kramas bleus et blancs with these blue and white kramas étaient réservés uniquement aux gens only venant de l'Est et qui se trouvaient près du marché central? From the East Zone and were near the central market. I saw that the kramas were distributed to those people. Que l'on distribuait des kramas à ces gens. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. J'en reviens à la même objection que j'ai fait to the same hier that I lorsque made la consoeur Marie Hiro posait des questions plus approfondies sur les évacués de l'Est. Nous allons from the east. Sur un terrain qui est le terrain de déplacement de population 3. Et de ce qui se serait passé ce jour-là. Et dans ces conditions, j'objecte, puisque ce n'est pas l'objet du présent procès. Donc, de la même façon que j'ai objecté hier, j'objecte également sur la suite des questions de M. le procureur à ce sujet. Monsieur le Président, je vais faire une longue réponse parce que je sens que j'aurai beaucoup d'objections sur ce sujet, alors qu'il s'agit bien du rôle de Q-Sampan. Que fait Q-Sampan ce jour-là? Pourquoi cette partie civile est là aujourd'hui? C'est uniquement pour nous dire ce que faisait Q-Sampan au marché central. Was doing, and it's only to find out what Q-Sampan was doing at the central market, and particularly distributing the blue and white cards. This concerns the role of Q-Sampan. Éventuellement des ennemis du camp and now, also concerning the definition of enemies of the DK Republic. Et je vais poser d'autres questions concernant le suivi par rapport à ce rôle de l'accusé qui a distribué des kramas bleus aux évacués de l'Est of the accused en transit who was vers distributing la zone the blue and white scarves to people from the east who were moving toward the northwest. So this isn't as banal as we might think, this distribution. À but humanitaire ou d'une distribution so we need to qui ask if this was a humanitarian distribution or if it was something that would allow for the subsequent identification of people from the east zone, which would then lead to being able alors, to commit crimes against them. So if the chamber does not want to hear this type preuves, of question and evidence, la chambre aurait demandé à cette personne I wonder de why déposer aujourd'hui. The chamber would have asked this person to come and par testify today. Chose, moreover, le the last thing, the role of the accused and his contribution to the joint criminal enterprise is completely relevant. Même si les faits criminels even qui if sont reprochés the peuvent criminal tomber en dehors facts du champ is accused of de ce qui vous est soumis dans le dossier 2.2, might fall outside ne reste pas moins qu'il s'agit de déterminer le rôle et la contribution significative ou non de l'accusé à une entreprise criminelle commune. Of the accused par ailleurs, and on a entendu to what de extent témoins he was participated in the joint 1, criminal enterprise 2-1, sur le rôle is des very accusés. Pertinent. Et là également, il n'y avait pas un lien also immédiat in case avec 00201, les transferts such forcés de population 1 et 2 when there was ou de Pocherie. No ici, nous avons direct une série de parties civiles ou de movement témoins of the population qui viennent two. Déposer sur le rôle des accusés. So ils those who pas are coming pu to être entendus dans le cadre du dossier 2-1. Je crois que ça reste tout à fait pertinent de poser ces questions spécifiquement sur les gens de l'Est, le rôle de Q-Sampan par rapport à ces personnes et la signification de porter un krama bleu et blanc sous le régime du Kampuchea démocratique. In Democratic Cambodia. Merci, Monsieur le Président. Je me dois de répliquer à cette longue réponse de Monsieur le Procureur. Thank you, Mr. President. En gros, ce qui vous est dit aujourd'hui, c'est bien sûr, on peut parler de façon circonstanciée course, de ce qui nous arrange sur le déplacement de population qui n'est pas dans le champ du procès, c'est-à-dire un thème sur lequel l'accusation pourra poser des questions, apporter des éléments de preuve, mais pour lesquels la défense, parce qu'il ne s'agit pas de faits qui sont objet de ce présent procès,
n'aura pas eu l'occasion d'amener de témoins, il n'aura pas eu l'occasion de pouvoir confronter une preuve éventuellement à des charges. Donc on vous dit, vous pouvez utiliser des éléments qui ne sont pas dans le champ du procès, pour lesquels la défense ne s'est pas préparée, pour laquelle la défense n'aura pas à apporter de témoins, puisque de fait, ça ne fait pas partie du présent procès, mais vous pouvez l'utiliser parce que fondamentalement, ça nous arrange pour essayer de trouver de la preuve à charge supplémentaire. Is not able to bring witnesses because in fact that's quand bien même on veut absolument trouver de nouveaux éléments supplémentaires à l'encontre de monsieur Kyosampan, il y a quand même une règle de procédure très simple qui est lorsqu'on a des faits qui ne font pas partie des faits dont la chambre sont saisies, on n'est pas supposé en parler. Pourquoi on n'est pas supposé en parler? Parce que la défense n'a pas de possibilité d'apporter des éléments de preuve sur ces points particuliers. Donc, pourquoi la chambre a fait venir cette personne? On lui a dit, elle a vu que son pan, elle donne ses éléments circonstanciés. Je note au surplus que cette personne a indiqué qu'elle aurait vu M. Kyosampan pour une durée de 5 minutes. Donc je ne vois pas sur quelle base M. le procureur va nous indiquer que au sujet de ces 5 minutes, elle pourra avoir des éléments sur ce qui s'est passé par la suite, parce qu'elle-même n'a pas d'éléments sur ce qui s'est passé par la suite pour ces personnes dans l'Est, de l'Est qui ont été évacuées ailleurs, parce que, encore une fois, ces faits ne sont pas l'objet de ce procès. Donc on peut nous parler de, des volontés dilatoires de la défense ou du fait qu'on perd du temps. Là, on est en train de perdre du temps sur des éléments qui ne font pas l'objet de ce procès et qui sont une violation absolue à la défense des accusés, puisqu'on parle de faits pour lesquels, encore une fois, on a dit qu'on ne fait pas censé en parler dans le cadre de ce procès. Maître Kopp, Monsieur le Président, si je puis ajouter, j'appuie pleinement les arguments présentés par la défense de Kyosampan et je souhaite ajouter que cette situation avec ce témoin concrètement est une situation similaire à une situation d'il y a deux semaines avec un autre témoin qui venait de la zone Est et qui par la suite a été maltraité, oui ou non, à Kampong Speu. Des questions ont été posées à ce témoin par le coprocureur international, M. Kumjian, et vous avez dit spécifiquement une ou deux questions générales et c'est tout. Et je crois que la situation ici est tout à fait semblable. On peut permettre une ou deux questions, mais pas plus, parce que très clairement, c'est à l'extérieur du champ du procès. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait comparable, parce que si j'avais bien compris ce que dit le coprocureur, cela a pu se produire pendant le mouvement, mais le mouvement, le déplacement plutôt, ce n'est pas ce dont il est question ici. Ce dont il est question ici, c'est le rôle de l'accusé et ce n'est pas nécessairement la même chose. Est-ce que j'ai bien compris? Je sais que tout ceci est un peu long, mais il me semble que tout se réduit à ce que je viens de résumer. Maître Kopp, je comprends ce raisonnement. Ce que j'ai entendu dans la longue réponse du coprocureur, c'est qu'il aimerait poser des questions détaillées sur ce qu'il s'est passé aux personnes avec les écharpes bleues et blanches. Voilà ce que moi j'ai compris dans sa réponse. C'est pourquoi je me suis levée pour appuyer l'objection. Maintenant, si on se limite simplement à ce qui s'est passé au marché, alors dans une certaine mesure, je peux comprendre, c'est compréhensible, mais pas nécessaire. Si maintenant on souhaite rentrer dans le détail de ce qui est arrivé à ces gens, je crois que là, nous dépassons les bornes. Président, la Chambre overrule the objection related to the fact of what happened at Psa Thmey. The question can be asked, but it should not ask for the details about the third stage of evacuation. Quant au troisième déplacement de population. Toutes les questions que je vais poser, Monsieur le Président, parce que je dois répondre à votre collègue. All the questions that have been asked since I have to respond are related to the role of Kyosampan and to know whether at the time when the blue and white kramas were distributed, he knew that they were going to be used to identify the persons who received them. So the role of Kyosampan is part of this trial. Madame la partie civile. Madame civil party. À combien de personnes ou de familles Kyosampan
to how many persons and families did Kyo Sampan distribute bleu et blanc, clothing, including et des vivres, blue and white kramas, de l'Est, as de well marché. As food to people from the East est-ce que vous pourriez near the market? À peu près combien de personnes Can you give us an estimate of the number of persons who received those kramas? He distributed materials, and there were hundreds of evacuees. Il y avait une centaine de personnes évacuées. President, the question is not about that. La question ne porte pas sur cela. The prosecutor asked you about your witnessing the distribution of krama and food by Kyo Sampan to the evacuees from Prayvang province. The question asked to you was about how many evacuees who received the krama and materials from Kyo Sampan. I mean, the question was about the number of people you saw who received the krama and materials from Kyo Sampan. Witness, I saw him distributing materials to one person. Des objets à une personne. I saw him distributing the krama to one elderly woman. Des krama à une vieille dame. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris parce que dans la réponse précédente sure en français, entirely on a parlé d'une centaine because in the de previous, personnes évacuées. Give in French, mention is made of about 100 distributions de vivres, etc. Est-ce que vous avez vu une seule personne ou une centaine de personnes à qui on distribuait des vivres Was et it des only crânes? One person that you saw, or about 100 persons you saw receiving kramas and food? Yes, there were many people oui, il there. Y avait de nombreuses personnes là-bas. But I saw him giving a krama to an elderly woman. Des kramas à une vieille femme. But there were many people over there. Mais il y avait de nombreuses personnes and sur le site. I saw him giving one krama je l'ai vu to the elderly woman. À une femme âgée. President, the floor is given to Councillor Kong Samon. Le président, Kong Maître Kong Samon, thank you, vous avez Mr. President. Maître Kong Samon, merci, Monsieur le Président. To my recollection from her answer yesterday. Si je me souviens bien de sa réponse hier. The witness said that Kyo Sampan handed over krama several times avait to the evacuees. Des krama à plusieurs reprises aux personnes évacuées. And she said several times that Kyo Sampan gave one krama to one person at Psa Thmai. So I think the question is repetitious. La question Thank you. Est, à mon sens, répétitive. Je vous remercie. Alors, je voudrais clarifier un Now, point. I would like to clarify a point. Dans votre formulaire d'information sur la victime, E3-6-4-2-5. C'est en français à la page 011-52-6-9-3. En anglais, 011-51-0-1-4-4-5-4-4-1-7-0. Avant l'arrestation de mon mari, j'ai vu Kyo Sampan dans le coin du marché central. At the corner of the central market, distributing white and blue squared scarves, aux habitants évacués de la zone food est, and qui clothing plus tard to evacuees être from the east vers la zone who were subsequently going to be transferred to the northwest zone. Donc, of clarifier comment vous saviez que les Now, personnes clarify à qui how you knew that the persons des vivres to whom et des Kyo Sampan distributed des personnes food de la zone and clothing est, were persons from the east zone and se rendre that dans la zone they subsequently were sent to the northwest zone. I was aware of this because Je I was also there car j'y étais également. And I witnessed the event
with my own eyes. Et j'ai été témoin oculaire de cet événement. D'accord, mais qui vous a dit qu'ils venaient de la zone est? But who told you? Et qu'ensuite ils iraient vers la nord, from la zone east zone, and that they were going to the northwest zone subsequently. Was it the police themselves who told you? Your husband or perhaps other persons? The reason I was aware, because when those people arrived, je l'ai su parce que lorsque our group personnes sont arrivées, asked them where they came from, notre groupe leur a and demandé they told us that they came from Preveng. Ils nous ont répondu qu'ils venaient de Preveng. Est-ce que vous avez vu un seul groupe did you see a venir près group du marché central, donc une centaine de personnes, ou bien y a-t-il des vagues de groupes qui sont venus About 100 persons who came, or waves of persons who came to the central market from Preveng or Svirien. President, please hold on, Madame Civil Party, and the floor is given to Council Ontakusei. Maître Ontakusei a la parole. Là, très concrètement, les questions de monsieur le coprocureur sont sur les déplacements de population, les vagues, d'où venaient, où ils allaient. On est clairement dans des pétroles. Donc, j'objecte. Monsieur le Président, je mets simplement l'événement plus en panne à distribuer des vivres de trauma. Mr. President, I'm only referring to the events in which Kyo Sampan distributed clothing and food to people in this context. On est en train de nous dire qu'on ne peut pas parler de cet événement sans le mettre dans le contexte, c'est-à-dire sans parler des déplacements de population croix qui ne font pas partie de ce qu'on est censé examiner. Donc là, concrètement, on est en train de mettre la défense dans une situation où on va parler de faits pour lesquels nous ne pouvons pas nous défendre. They are talking about facts in regard to which we cannot defend our client. Co-prosecutor, let me clarify something, Mr. President. The name of the civil party, as well as the names of others who will appear before this chamber, are on the list of witnesses and civil parties. Et on sait que for more than 2.5 years, they have been on the list, and we know that the only way, as we've said in our motion, that these persons can be heard before this chamber is to detail the roles of the accused. Et par rapport à particularly ce with regard to these evacuees from the east zone and the decision of white and blue clothing and scarves, ça me semble aberrant. To say that la défense n'a pas objecté this is not part of the case file is déposer. An aberration. The defense is should object to the calling of this person to testify. Très clairement, le counsel for the defense. Can we shorten this? We have had this argument. Que nous pouvons faire plus court. Nous avons déjà eu ce débat. La chambre a tranché. Je ne pense pas qu'il y ait d'éléments nouveaux ici. Ou est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être de nouveaux éléments entre notre décision et maintenant. J'ai entendu dans la décision de Monsieur le Président qu'il n'y avait pas d'éléments, on ne devait pas aborder les éléments relatifs au déplacement de population 3. Donc je me suis levée au moment où Monsieur le coprocureur parlait précisément des éléments relatifs au déplacement de population 3. And I rose to my feet because the co-prosecutor was referring to events related to the third movement of the population. Je ne sais pas quelle est la décision de la Chambre. Est-ce que je peux continuer, Monsieur le Président? I don't know what the decision of the Chamber is. Can I continue, Mr. President? President, now let me make it clear. I repeat what I said. Que ce soit bien clair, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. And I already clarify and emphasize on that your question should focus on the role of the accused for these civil parties or witnesses. As for other facts, they are supplementary. Pour les autres faits, il s'agit de faits complémentaires. And if you focus on that, it would be not the main focus of this segment of the trial. You cannot expand such a scope because the scope of this trial has been limited and witnesses are selected in order to be questioned on the scope of this segment of the trial. Et il faudrait que vos questions and for that reason, we have to choose
pertinents du procès. Witness is particularly important for a certain segment of the trial. Nous avons choisi quelle partie de witnesses or experts, all parties can ask them on almost any topic. For that reason, you should limit it. Your questions pour ces raisons, il faudrait donc limiter vos questions the facts or the scope or the segment et la rendre of the conforme and avoid wasting time rather to fill the time allocated to that particular évitons party. De perdre du temps. If it is not necessary, then you et should de move on le temps so that we à can hear party. Another civil party or witness rather than to fill si the allotted time. Pas pertinent, alors you passons proceed. À un autre témoin au lieu de perdre le temps imparti. Vous pouvez y aller. Merci. Donc, thank je vais you. Passer à un autre sujet avant cela I'll pour move to another transcription. Line of questioning and for the record. Je me permets de référer la chambre de... Renvoyer la chambre like à trois déclarations que je n'ai pas pu lire, E3/552, E3/7708 and E3/3970 du sort réservé aux personnes ayant des cramas bleus. Madame la partie civile, j'en viens à un autre sujet, l'arrestation de votre mari, the arrest of your husband, Kong Che, alias Chun. Alias Chun. Je voudrais vous faire repréciser I would like you to quand votre mari a-t-il été arrêté, combien de temps à peu près avant que How les Vietnamiens prennent Phnom Penh. After the Vietnamese captured Phnom Penh. My husband, who was at the market, he was with me. Mon mari était avec moi au marché. But when he was arrested and taken away, I did not remember the date. But based on the document here, he was arrested. D'après le document. And sent, que j'ai sous les yeux. Arrested and taken away on the 11th of December 1978. Le 11 décembre 1978. Rather, it was in December, but I cannot recall the exact date. C'était plutôt en but décembre, one day, je ne me souviens pas de la date exacte. Taken away un jour, along il a été with three other individuals. Avec trois autres personnes. My husband named Chu and another person who was taken away along with him was Run. Run. This is based on the name list of people who were taken away. Ceci figure sur la liste des personnes arrêtées et emmenées. Oui, donc ça c'est la liste qui vous a été montrée hier par that Maître Guiraud. List that was shown you yesterday by Counsel Guiraud, list E3/4. Qui mentionne que votre mari est entré à S21 le 11 décembre 1978. Alors, dans votre formulaire d'information supplémentaire, même si vous ne vous souvenez pas trop des dates, mais il y avait une date, c'était celle du mois d'octobre 1978. Donc ça, c'est la référence E3/6425. À la page en anglais 01-06-3300 et en français 01-01-5-1-3-5. Donc voilà ce qui figure sur ce formulaire. This is what is stated vous avez dit ceci. Cependant, plus tard, l'Ankar a arrêté mon mari au mois d'octobre 1978. L'a enfourné dans une voiture et emmené vers une destination inconnue. Je ne savais pas quelle en était la raison, mais à mon avis, l'Ankar enquêtait, faisait des arrestations systématiques de gens bien placés. Fin de citation. Arrested people who were ma question est la suivante. Est-ce que vous savez si, ou est-ce que vous avez pu apprendre, même après 79, si votre mari a d'abord été détenu ou rééduqué first detained à un or re-educated avant at another location à before he was taken to S21. No,
I received no news from non, him. Je n'ai reçu aucune nouvelle de lui. I only found il out, a disparu. About the details of his arrest only when I saw this, je n'ai su les document. Détails de son arrestation que lorsque j'ai vu ce document. D'accord. Est-ce qu'un dénommé Rhett vous a parlé du sort de votre mari après 79? Talk about the fate of your husband. Rhett, R-E-T. After 1979. That is Rhett, written, spelled as follows, R-E-T. After 1979. Après 1979. It was in 1980. Plutôt 1980. In the rural areas of my area, there was no good harvest yield. Dans mon village natal, les récoltes n'étaient pas bonnes. Ox cart to Siem Reap to collect en charrette rice. Pour and I met him. Récupérer du riz. He told me that my husband was either imprisoned at Preso or at S21. A été emprisonné soit à Pressard, soit à S21. So I received the news about my husband's disappearance from Red, who c'est was living in Siem Reap. De la disparition de mon mari, et Red vivait à Siem Reap. Alors hier, vous avez dit, je crois, que yesterday, votre mari avait été emmené you par did say that trois your husband was taken away personnes, trois by Khmer three persons, three Khmer Rouge. Est-ce que vous savez de quel bureau venaient you know ces trois personnes? From which office those three persons came? I said that there were three individuals, including my husband. Y compris mon mari. The three were my husband, Nye and Run. Mon mari, I did not see them being taken away. Because ces trois personnes. At the time of their arrest, I was cooking in the parce kitchen moment hall, de leur arrestation, and my je husband faisais was la cuisine at his au workplace. Réfectoire. Mon mari, I, lui, était à son lieu de travail. I was aware of their arrest from my son, who was 3 years c'est old fils, at that time. Âgé de 3 ans à l'époque, when I did not see his father, I asked quand him, je n'ai pas vu son père, and he told me that three people were taken away, il m'a dit que trois personnes my husband, ont été Uncle Nye and Uncle Run. L'oncle Nye, l'oncle Ron et mon mari. D'accord, donc very well. Si je sais que le formulaire d'information sur la victime n'est pas toujours 100% fiable, il était question information form is not always du cadre very reliable. Du bureau K7. I was talking of cadres est-ce que vous avez entendu, vous saviez ce que c'est K7. Le bureau K7 à cette époque-là? Did you hear about that idée? Office and did you know what it was all about at the time or you have no idea as to what that office was? No, I did not know about the K7. Non. I heard people je in my workplace talking à about travail, K7, but I did not know where it was and about cela its roles. Et quel était le rôle de ce bureau? Alors, vous avez parlé des deux collègues de no, votre mari. Two of your husband's colleagues who were also taken away at the same time. Rune and est-ce que vous connaissiez les épouses, s'ils étaient mariés, did you know de ces deux personnes? The spouses of those two persons if they were married? Rune was not married yet. Rune n'était pas encore marié. For Ye, he is married and his wife's quant à name was Ya. Et sa femme s'appelait Ya. But I don't know her original name. Je ne connais pas in son our nom team, de naissance. She was addressed as Nat. On l'appelait Nat dans notre équipe. Est-ce que la femme de Ye, donc Ya, ou appelée Nat, was Ye's, a été emmenée en même temps que vous, ou bien Matt. Taken away elle n'a pas été emmenée at the same time moment. As yourself, or she wasn't led away at the same time with you. After my groups were taken away,
Ye's wife, après que mon groupe a été Nat, emmené, was also taken la femme away de on Ye, the same Nat, day with me. A également été amenée le même jour que moi. Y avait-il de nombreuses femmes qui ont été emmenées en même temps que vous? Were there several women who were led away at the same time as yourself to the pagoda you refer to? Yeah, there were four or five women. Il y avait 4 ou 5 femmes. And there was there were women and there was only one man named Hom. Il y avait des femmes et Hom, un seul homme. We were in the same groups. Nous étions dans le même groupe. And we were familiar with each other. Et nous nous connaissions. Est-ce que toutes ces femmes qui étaient dans ce véhicule avaient déjà eu leur mari qui avait été emmené? Face a situation in which their husbands had already been led away. All the women who went along with me. Toutes les femmes emmenées en même temps que moi. Some of them had their husband with them, while some did not. Certaines avaient leur mari avec eux et d'autres non. Donc juste une question sur votre destination. Vous avez I parlé have d'une one pagode question regarding your destination. Appelée, you talked of a pagoda called Est-ce que vous savez Shea si cette pagode dépendait I believe. Du bureau Do you know whether du ministère that 870 pagoda was on the Office 870. Yeah, what the Comment President, please hold on. Le the floor is given veuillez to patienter, Council Madame, Antakuse. Maître Antakuse a la parole. Objection à la manière dont I la question a été posée par in which the question has been asked by the co-prosecutor. The civil party has ministère 870. Always talked elle n'a jamais utilisé le mot bureau. The ministry 870. Je reformule. Donc, she never est-ce que vous savez si cette pagode, ce lieu où vous avez travaillé pour récolter du riz, Do you know whether the pagoda where dépendait you worked du ministère where you 870 was under the ministry 870? We were sent to Jeyodam Pagoda. Nous avons été envoyés we à la pagode knew it was de called Jeyodam Pagoda. Nous savions but qu'elle we était appelée did not, ainsi. Did not know whether it was under what or which ministry. Mais nous ne savions pas de quel it ministère. It was where we were sent to harvest rice. On y a été envoyé pour moissonner du riz. Alors hier vous vous avez vu un document E3/10/4. J'ai un autre document à vous 10, montrer. 4, de S21 également. C'est le document 3/1974. C'est une liste d'interrogatoires à S21. List from la page S21. Pertinente and en the français page est 00888 4077. En anglais 00 18 4 007 et 008. Et en khmer 00 00 52 8 9 7. Monsieur le Président, je voudrais remettre ce document à la partie civile, sachant qu'il y a probablement le nom de son mari et des deux autres personnes qu'elle a déjà mentionnées hier. The name of her husband and the other persons, and we'll ascertain whether those names are on the document. President, yes, your request is granted. Le Président, allez-y. Donc il y a 4 noms sous un titre qui s'appelle Économie d'État. Il n'y en a pas 3, il y en a 4. Et le premier, not three, but four. C'est the first un dénommé Ki, K-H-Y, Pengli, P-E-N-G-L-Y, alias Anne, alias Anne, A-N. 23 ans, sexe masculin, messager de l'économie de l'État. Of the 2 novembre 1978. Ça, c'est probablement la date d'arrivée
à S21. The date of arrival at S21. Est-ce que vous connaissiez à l'époque, je vais m'arrêter là pour le moment, est-ce que vous connaissiez à l'époque ce premier nom sur cette liste, à savoir Anne ou Kipengli, messager de l'économie de l'État? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Does that ring a bell to you? No, I was not familiar with this name. Non, ce nom ne me dit rien. Alors, je vais lire les trois autres noms qui correspondent à ceux qui se trouvent sur l'autre liste qui vous a été donnée hier. Donc, les trois autres noms sont Kang Ye, 26 ans, sexe masculin, combattant de l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Ensuite, il y a Kong Chi, alias Chen. C'est écrit sur ce document, en tout cas en français, Kong Chi, K-O-N-G, Chi, C-H-Y, alias Chen, C-H-O-U-N. Dans la version Khmer, l'âge est très compliqué à lire, je crois qu'il manque une partie du premier chiffre. En français, ça a été traduit par 35 ans, et en anglais également. Sexe masculin. Combattant de l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Et le troisième nom qui suit, L-E-A-K, alias Run, R-U-N, 24 ans, sexe masculin, combattant l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978. Working in the supplies department of the state market on the 11th of December 1978. Can you tell us whether we are talking of the same persons here, that is your husband, as well as his colleagues, Kang Ye and Run? Kung Ye was my husband's friend. Kung Ye était l'ami de mon mari. Le président devait attendre Madame Maître Consamon à la parole. Consamon. According to this document, which is shown by the co-procurator, présenté par le coprocureur, the civil party does not identify her husband's name or whether her husband's name appears on the list yet, but the deputy co-procurator confirms that it's her husband's name on the list. Confirme déjà que le nom de son mari apparaît sur cette liste. This is a supposition made by the deputy co-procurator and to give a hint to the civil party. Pour donner des indices à la partie civile. Je ne crois pas. Monsieur le Président, je ne crois pas. Je demande précisément à la partie civile savoir s'il s'agit, parce qu'il semble que ça corresponde à ce qu'on a vu hier, les trois mêmes noms. Je demande s'il s'agit des mêmes personnes, y compris son mari. Donc, si elle n'identifie pas son mari, qu'elle le dise. Si elle ne pense pas que c'est sur son mari, alors elle doit simplement dire ça. Mr. President, this document is different, and there is also a line crossing on the name, and the age appeared here is different from what the civil party testified. Et l'âge qui figure ici, she testified yesterday that when her husband disappeared, he was 25 years old, and in this document, the person's age is 35 years old. La personne tel qu'il est marqué, porte 35 ans. Deputy co-procurator, you should first ask about the name of the person and whether she is familiar with the name, and if so, then who the person is. Si, if you follow this practice, then it will be clearer. Personne, si vous suivez cette and méthode, if you ask and if she says he doesn't know, that's it. Vous pouvez lui poser la question et si elle dit qu'elle ne sait pas, alors on en tiendra compte. Veuillez reformuler votre question pour la rendre plus précise. Et si l'âge est différent, il faudrait également lui poser la question sur cet âge, car ici nous avons une différence de 10 ans, un écart de 10 ans. Justement, je ne crois pas
qu'en regardant la version Khmer, that's on peut dire s'il s'agit d'un 2 ou d'un 3. Mais je ne pense pas que nous pouvons dire si c'est un 2 ou un 3. Madame la partie civile, cette personne appelée sur ce document Kong Chi alias Chun, alias Chun in this document, combattant l'approvisionnement du marché d'État, 11 décembre 1978, est-ce votre mari ou non? In 1978, is this your husband or not? I am testified and I already took an oath before the Iron Club statue, and I can say that this person is my husband. Prêté serment devant la statue à la barre de fer, et je puis affirmer que cette personne est mon mari. The other name, that is Run is my husband's friend. So I am familiar with these two or three individuals. Ainsi, ces deux ou trois individus me sont familiers. Bien, tout à l'heure, vous avez mentionné comme chef de votre mari un dénommé Voi. Someone named Voi. Alors, je voudrais vous présenter un document. So I'd like to submit to you a document. Également une liste de personnes interrogées à S21. Who were interrogated. C'est la liste E3-2178. La page qui est pertinente. And the relevant page. C'est en Khmer 00021091. En anglais 00631981. Et en français, 00-63-19-77. En fait, c'est un peu compliqué à lire, donc je vais peut-être simplement, pour gagner aussi du temps, lire la traduction. I will read the translation. Donc il s'agit d'une liste de personnes interrogées à S21 qui comprend 66 noms, dont certains il est mentionné la date d'exécution, tandis que d'autres semble encore être à l'interrogatoire. Alors, while sur cette liste figure le nom de So Sour, S-O, et puis Sour, S-O-U-R, alias Voi, V-U-Y, 29 ans, V-U-Y, sexe masculin, 29 years old, chef male, de bureau de l'approvisionnement d'État 870. Date d'entrée à S21, le 24 mai 1978. Je précise que dans la version anglaise, c'est le numéro 51, mais dans l'original et en français, il n'y a pas de numéro à côté de son nom. Donc, est-ce que les indications que je vous ai fournies concernant cette personne, vous, 29 ans, this information masculin, I gave you, Voi, chef de bureau l'approvisionnement d'État 870, head of the state supply, arrêté également, correspond à ce que vous savez du chef de votre mari. Vous avez dit qu'il s'appelait to Voi. The person that was your husband's supervisor, whom you called Voi. Yeah, but my name. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez appris à l'époque dans quelles circonstances il a time, disparu? Under what circumstances he disappeared? No, I did not know. Non, about je ne savais that. Pas. Non, hop by rong khnea pet tae da pui kat ba. Had mailed at the same location, I was not aware as to when he disappeared. He simply disappeared. Je ne sais pas à quel moment il a disparu. Il a tout simplement disparu. Est-ce que vous savez qui l'a remplacé comme chef de ce bureau d'approvisionnement? Do you know who replaced him as the head of this supply office? I did not know who took over the supply office. Mm-hmm.
Est-ce qu'à l'époque, vous aviez également connu un autre cadre? Did you also know another country? S'appelant Sao. Who was called Sao, S-A-O. Son nom complet? His full name Sam is Rit. Sam Rit. Sua. S-U-O-S. S-U-O-S. Alias Sao. Alias Sao. Qui avait 28 ans à l'époque. He was 28 years old at the time. No, I'm not familiar with that name. There were many people. Ce nom ne me dit rien. Il y avait beaucoup de gens. Entre votre arrivée à Phnom Penh, between your arrival in Phnom Penh, vous avez travaillé comme cuisinière vers where you worked as le nouvel an Khmer, towards the Khmer New Year, 1978. Entre ce moment-là et le moment où vous avez été emmené, votre mari a été emmené. And the time when est-ce qu'il y a des cadres ou des combattants de votre unité de cuisinière ou de l'unité d'approvisionnement de votre mari qui ont disparu? À part vous, évidemment. Aside from Voy, obviously. Je ne sais pas qui est venu s'occuper de cet endroit-là. Je vais reformuler ma question. Je voulais savoir entre avril 78, quand vous êtes arrivé là-bas, et le moment où on vous a mis dans une voiture pour aller à la pagode, pour cultiver le riz. Est-ce qu'il y a des gens qui ont disparu de votre unité ou de l'unité de votre mari? Est-ce que vous en avez eu connaissance? Do you have any knowledge of that? I was among many people and I did not care about who else disappeared, as I was only concerned about myself. Très bien, je vous remercie, Madame la partie civile. Nous n'avons plus de questions. Nous n'avons plus de questions. We have some matters to discuss with the parties. Seulement, et l'après-midi, il n'y aura pas audience, a priori. And then we also have the schedule pour la semaine prochaine. That is to begin with 2TCW 1060 and 920. And these two are not able to testify tomorrow. Qui ne sont pas en mesure However, de témoigner 2TCW demain. 1069 is available to testify for tomorrow, and this witness is proposed demain. By the Et defense team for Nguyen Chi, and is scheduled to be heard on Wednesday next week. The question is if the chamber calls 2TCW 1069 starting from tomorrow, whether you are able to accommodate that is after the conclusion of 2CW 1063. Because it means that we moved the schedule a bit forward. Que nous allons avancer le programme. To make it clear in English, a couple of witnesses have health issues, so we can't hear them. We are contemplating the only person we can bring tomorrow is 1069, new witness. Ready to start tomorrow? C'est le 2TCW 1069. Est-ce que demain vous êtes prêt à l'interroger? I'm a bit caught by surprise. Vous me prenez de court. Est-ce que sa déclaration au CDCAM a été traduite? Je ne suis pas certain qu'elle l'ait été. If it isn't, then that's of course
si ce document avait bien été traduit, alors c'est problématique parce que nous fondons sur un article Searching for the Truth. Nous avons lu la version en Khmer de la déclaration au CDKM. Nous avons envoyé une demande urgente de traduction. J'ignore si, je suis en train de vérifier avec mon équipe, j'ignore si cela a été traduit. Parce que si le document n'existe qu'en une seule langue, c'est problématique. Donc si ça a été traduit, vous êtes prêt à intervenir demain. Sinon, c'est un problème. Est-ce que j'ai bien compris? Maître Coppe. Yeah, I suppose so. Oui, yes. Oui, je crois. The English is ready. I'm just being informed. On m'informe à l'instant même que la version en anglais est prête. Alors, est-ce que je devrais commencer demain après-midi? As far as anything is predictable, je here, yes. Dans la mesure du prévisible, yeah, oui. Yes, I suppose so. Yes. Maître Coppe, oui. Donc, je pense que je serai prêt. That is good news. What about Président, other parties? Voilà because now qu'en we don't have any problem parties? With the party who proposed the witness. La if you have any problem, please raise. If not, then there is no need to be on si vous avez un problème, alors si cela vous pose problème, veuillez vous lever. Sinon, vous pouvez vous rasseoir. Écoutez, Monsieur le Président, nous sommes également pris un petit peu de court. Mr. President, we're je pense que, caught a bit short si as well. De I think clearly if the defense of Nguyen Chia is prepared demain, to begin nous n'avons pas de problème à the interrogation de ce point de tomorrow, we have par no contre, problem. Si nous however, nous aussi if we demain, also need to begin tomorrow, this would be more problematic pas, je ne crois pas que nous soyons déjà prêts. I don't believe that we're ready yet. Voilà. Donc, on pourrait faire so comme on l'a déjà fait avec d'autres témoins, do, notamment vous souvenez sur le segment vietnamien, remember, où la défense Vietnamese nous avait dit que le procureur commence, et puis après les vacances de Noël, nous serons prêts. Je pense que peu ou prou, c'est à peu près la même situation. Nous serons tout à fait prêts à entendre les questions de la défense, mais nous serions surtout prêts à commencer à poser nos propres questions la semaine prochaine. À défaut, on risque d'avoir un interrogatoire un petit peu mal préparé. Otherwise, we could have a poorly prepared questioning. Well, I'm not sure if I understand what the prosecution is saying. We're not ready at all for these two witnesses either. Nous ne sommes pas nous non plus prêts pour ces deux témoins. Et de fait, je dois également lire l'autre déclaration du CDCAM de l'autre membre de la famille de cette personne. Si je suis prêt à faire un compromis, j'imagine que l'accusation aussi. Pour clarifier les choses, Maître Coppé, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous things, êtes prêt ou pas prêt Mr. Coppé, can you tell us if you are ready or not ready for tomorrow? Because it seems to me I've heard things that are a bit contradictory. Qu'est-ce que vous nous dites maintenant? Vous what êtes, are you telling vous êtes us now? À interroger deux TCCP 1069 ou pas? Je dois avouer que simplement pour clarifier, je ne sais pas très bien où on est. I don't know exactly where we are now. I'm not really ready, but I'm prepared je ne suis to pas do it exactement anyway. Prêt, mais je suis prêt à le faire de toute façon. Pour ma part, Monsieur le Président, je peux vous dire que nous ne sommes pas prêts for du my tout. Part, Mr. President, I can sur say la question, we are not ready at all. Il y a vraiment un saut de témoin extrêmement important. We maintenant, je laisse l'équipe de Nguyen Chia, puisque dans le cadre de cette configuration-là, ça voudrait dire que c'est eux qui commenceraient, que nous, comme lorsqu'il s'agit des témoins appelés par Nguyen Chia, nous serions amenés à interroger la semaine prochaine. Maintenant, si vous voulez mon humble avis, je comprends la nécessité de la Chambre d'aller vite, mais faire les choses dans la précipitation et bâcler les préparations, pour moi, ne me semble pas la meilleure chose. Dans le cadre d'un débat serein. So maintenant, j'ai dit ce que j'en pensais, je laisse les autres parties considérer leur position. Pour moi, ça me paraît quand même un peu juste. They say, but I think it's a bit tight. Parties quite some time ago. However, the schedule is advancing a bit forward. Mais bon, il s'agit ici and it is likely that the proposed party is willing to proceed.
So at the party, they probably would have their turn next week. And the defense counsel is willing to proceed because we try to fill in the afternoon session for tomorrow afternoon. And in fact, the schedule has been informed quite some time ago to the parties. Anyhow, the chamber would like to send the parties for your feedback and observation. We take a break now. À ce propos, nous allons à présent and observer une pause. We resume at 25 to 11. À 11h-25. Monsieur de Lyon, veuillez vous party during the break occuper pendant la pause and de invite la partie her back into civile, the room ramenez-la dans le prétoire at 25 to 11. À 11h-25. The court is now in recess.